Bonsoir tout le monde, je suis Zéro Charity Christelle, le manager de l'agence Luga FCGNC.
En fait, Lugaf et Segenti, c'est une agence de marketing d'influence qui a pour but de mettre en collaboration des entreprises avec des influenceurs afin de donner un peu plus de notoriété aux entreprises et créer un certain partenariat entre les entreprises et les influenceurs. Voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, on organise Lugafé, Segenti organise l'événement le Masterclass by Mokhtar Makeover, qui a l'honneur aujourd'hui de maquiller Madame Nathalie Kwa en présence de tout le monde. Donc, on organise cet événement afin d'apprendre aux gens à mieux se maquiller et aussi apprendre à prendre soin de leur peau en maîtrisant déjà les bases du maquillage et de l'entretien de la peau. Pour ça, la seule réponse, c'est juste tout le monde essaye d'être belle, tout le monde essaye d'entretenir son image, sa peau et tout. Voilà, c'est la femme. Donc, après, on n'a pas de raison particulière par rapport à ce qu'on fait. Mais bon, voilà, c'est comme ça, nous sommes comme ça. On a toujours envie d'être un peu plus belle tous les jours. Voilà. Et la beauté de la femme commence par l'entretien de sa peau déjà. Et c'est aussi bien de quand même maîtriser quelques petites bases de maquillage, toujours pour ne pas appeler chaque jour. Voilà, Mokta, je fais comment pour me maquiller? Je suis très contente vraiment d'organiser cet événement, ce grand événement en partenariat avec Madame Nathalie Kwa à la boutique Sishi by NK. Merci. Vous savez que c'est là qu'on commence. Oui. Ensuite, ils vont aller droit devant vous. Les risques dans le. C'est en fait, c'est un des doigts pincés. C'est-à-dire que vous passez. Souvent, donc, pour dire un endroit, vous pouvez prendre votre pinceau en faisant ça. Ça aussi. Toujours la même peau. Moi, je connais déjà, hein, je sais à mesurer ça. Je mesure encore bien, ça va pour moi. Je mesure encore. Ok. Donc, le principe est simple. Elle met le visage droit. Vous mettez votre visage droit, c'est ce que vous allez faire. Vous prenez l'intérieur de votre narine dans cette partie. Une fois que c'était pour la seconde technique, on va faire la même chose, on va assurer l'intérieur pour que ce soit un peu gradient. Voilà, vous avez vu un peu. Bonjour, je me nomme Baboga Marina, Miss France des Belles Cameroun pour l'édition 4 de cette année 2020. J'ai été invitée pour prendre part, voir un peu comment ça se passe, la création en fait qu'il y a derrière l'art du make-up. Pour moi, le make-up déjà, c'est un art parce que ça nécessite de la technique, de la création et puis ça aide à ressentir déjà la beauté naturelle que toute femme a. Ça aide à accentuer nos traits et nous rendre encore plus jolies. Quel message pour vous transmettre à l'artiste de Mokta et autres? Déjà, j'encourage l'initiative d'apprendre, de transmettre son savoir aux autres. Et encore qu'il le fait très bien, il faut le mentionner, il le fait très très bien, il est très professionnel et il prend le temps pour expliquer à toutes les participantes. Donc je lui dirais d'aller de l'avant et de multiplier les formations comme celle-ci. Merci. J'aime parce que c'est vraiment mat et sa peau. Donc pour les femmes qui ont les peaux grasses, je vous conseille cette marque, comment on dit ça? Donc on prend l'anti-sème comme tout à l'heure. Même principe, toujours la queue. C'est ça qui nous guide en fait. Pourquoi vous voyez bien? Ok. Les étatiers de Michaï en dos. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Elle est très jolie. Il y a une question. Il y a une question.
Est-ce que tu peux parler dans ton micro? Fais seulement comme une fleur à la télé, ça va aller. Non, en fait, mon souci, c'était au niveau du style de mariage. Vous allez voir. Mais on va pas forcément voir les quatre couleurs, les cinq couleurs. Comme là, tu vois, j'ai mis le bronzé pour la transition. J'ai mis le marron. J'ai mis le noir. J'ai mis l'irisé. Mais quand tu regardes, toi, seulement le noir ou l'irisé, tu vois un peu. C'est bien, ça n'est plus pratique. Oui, un peu. Oui, un peu l'œil. Donc, ça s'aligne directement à cette ligne du bas. Vous voyez. Maintenant, on va prendre de l'intérieur maintenant, pour retrouver cette ligne. On va... Je suis coulant. Oui. 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 Le nez, toujours entre les nez, il y a beaucoup de nez. Ceux qui veulent les nez, les blancs, ouais. On va aller vers l'intérieur comme ça. Donc, ils sont des triangles inversés. Ici, en bas, ils sont des centres. Comme on s'est dit. Bon, ça, vraiment, c'est parce que j'explique. C'est un maquillage que vous pouvez faire chez vous le matin rapidement pour aller au travail. Vraiment rapide. Combien de temps? Depuis le demain, quoi? Quand tu es rapide. C'est un maquillage de jour, donc. Et enfin, celui-ci. Pour compter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez votre crayon. Vous le mettez dans la muqueuse de votre verre. Voilà, applaudissons du coca. Donc, le but en fait, c'est que maximum dans une semaine, vous puissiez réaliser un maquillage comme ça. Et surtout, si vous n'avez pas les produits, n'hésitez pas. Il y a des produits juste à côté, à zéro part. Vraiment. Les conseils, les produits, les produits et conseils. Donc, vraiment, surtout, n'hésitez pas. Surtout, on attend le résultat final. Donc maintenant on va prendre une petite pause. Bonsoir monsieur, je m'appelle Mepeu Daniel Azita. Pour quelle raison vous participez à cette masterclass? Bon, j'affectionne particulièrement le maquillage et je suis venue ici pour perfectionniser mes méthodes de maquillage que j'adopte quotidiennement. Quelles sont vos impressions ressorties de cette masterclass? Bon, mes impressions sont que je ne sais pas quoi. Pour avoir des shampoings, mais d'avoir des prises pour mannequin, pour se lisser. Ah, c'est toujours aussi plaisant, c'est toujours aussi plaisant d'être choisi comme modèle. Maintenant, j'espère que à travers ce que Mokhta a pu illustrer sur mon visage, ça a permis aux autres d'apprendre beaucoup de choses. Et moi, particulièrement, je suis satisfaite de ce que ça donne, je suis satisfaite de ce que j'ai pu apprendre par ça. Bon, maintenant, je souhaite à Mokhta que du meilleur, je souhaite à toutes mes collègues ou coéquipières de l'amélioration et qu'elles excellent dans ce qu'elles feront plus tard. Thank you.
Ah, bonsoir. Salut. Salut. Peux-vous vous présenter? Je suis Mokhtar Mekover. Je suis un jeune maquilleur camerounais, plus précisément de la ville de Douala. Donc, je suis le promoteur de l'événement de Masterclass by Mokhtar Mekover, qui a eu lieu aujourd'hui à Psyché by NK du côté de Yaoundé. Pouvez-vous nous parler de votre amour pour le Mon amour pour le make-up remonte à plus de 5 ans. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je me sens épanoui en exerçant ce métier. Parce que voir ce que ça prodigue aux femmes, voir les femmes joyeuses, c'est ça vraiment qui me fait le plus plaisir. Ouais, je suis beaucoup satisfait. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y a eu aujourd'hui. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont mis la main à la pâte et tous ceux qui ont cru au projet. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler de vos projets futurs? Pour les projets futurs, il est d'abord question de refaire un masterclass dans la ville de Douala, de refaire un peu partout dans le Cameroun et qui sait, peut-être à l'international. Merci beaucoup. Bonne soirée. En fait, on voit Michel qui est devant le photocall. S'il y a des gars de bas de travailler le photocall, oui. Pas grave. Je mets cela avec mon paquet devant le photocall. Ok. Madame. Merci. Salut, madame. Salut, bonjour. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à créer un pareil événement? Bon, je suis motivée d'abord par le talent de l'artiste. Il faut dire que c'est un jeune artiste qui se démarque, qui sort un peu du lot, qui essaye de faire les choses bien. Et il est motivé par sa passion au-delà des difficultés qu'il rencontre au quotidien. Donc c'est ça qui m'a décidé voilà, à collaborer avec lui, non pas parce que voilà, il n'avait peut-être pas... comment je dis, non pas parce qu'il n'avait pas de quoi mettre sa marque sur, enfin son talent, de quoi mettre son talent à l'exec, mais j'ai collaboré avec lui parce que il est temps que nous, jeunes Camerounais, apprenions à nous entraider pour, voilà, pour éclore nos talents respectifs. C'est dans ce sens-là que voilà, j'ai décidé de collaborer avec lui, moi avec ma visibilité, lui avec son talent, pour faire quelque chose de bien et réciproquement on s'entraide comme ça. Pensez-vous que le make-up puisse avoir ses effets reflets au Cameroun? Oui, je pense que le make-up, comme tout autre, voilà, les métiers de l'art, doivent non seulement avoir leur lettre de noblesse, mais doivent s'établir, non pas de façon, on va dire, ponctuelle, mais sur la durée. Vous savez, quand on a grandi, on nous a vacciné les oreilles avec cette phrase selon laquelle il n'y avait que par l'école qu'on devait réussir. On a étouffé les talents des uns et des autres, des jeunes, des frères et des sœurs. Mais aujourd'hui, l'Hexagone nous prouve que les métiers de l'art ont leur place. Il suffit de donner à chacun la liberté d'agir avec sa passion. Et voilà, au final, j'espère que les autres make-up artistes suivront. J'espère que les autres artistes dans leur domaine respectif suivront. Il est temps qu'on se soutienne, comme je le disais précédemment. Il est temps qu'on fasse éclore nos talents respectifs. Il est temps que ceux qui peuvent s'exprimer autre part que par l'école, non pas que je décourage l'école, mais il n'y a pas que l'école comme voie de réussite et j'encourage ceux qui parlent les métiers de l'art, quels qu'ils soient, veulent s'établir et veulent se faire une place dans la société. On vous a vu entretenir des jeunes dames qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pouvez-vous renchérir sur ce sujet? Je dis toujours aux gens qu'il faut être motivé. Vraiment, il ne faut pas faire les choses par suivisme, il faut être motivé, il faut suivre son cœur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être entrepreneur, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être meneur. Il y a des meneurs, il y a des suiveurs, mais quelle que soit la catégorie qu'on choisit, il faut faire son métier, il faut le faire bien. Moi, je suis guidée par la passion, je suis guidée par l'ambition. Je voudrais que les jeunes femmes qui me suivent, qui me prennent en modèle de force et de courage, copient chez moi la force et le courage de révolutionner le métier, de révolutionner le secteur de l'entrepreneuriat. Il faut qu'elles se disent qu'elles n'ont pas juste besoin d'être employées, mais qu'elles peuvent également être employeurs. C'est vrai que si on crée des entreprises, c'est pour qu'il y ait des employés et des employés, mais également ça réduit le taux de chômage et ça permet à tout le monde de s'épanouir personnellement parce que quand tu fais au final ce que tu aimes, bah, tu n'en es que plus heureux. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Merci.